l'an 1250 avant Jésus-Christ. Un an s'est écoulé depuis le jour où Jason, le jeune roi de Thessalie, est parti en confiant le pouvoir à son cousin Adraste. Il avait mis également sous la protection de ce dernier sa femme, Créouse, et son fils Ito. À la tête d'une cinquantaine d'hommes courageux, Jason avait pris la mer sur le navire Argos et fait voile vers la Colchide, à l'autre bout du monde. Il avait quitté sa patrie dans le but d'arracher à une mort inévitable son peuple, condamné à périr par la lave des volcans. Pour apaiser la colère de Zeus, Jason devait rapporter en Thessalie la toison d'or, le présent magique offert par le dieu des dieux en témoignage de sa divine prédilection. Les récoltes ont été brûlées. Silence, il n'y a plus d'eau dans les puits. Non. Silence. Peuple de Thessalie, je comprends votre désespoir, mais il faut absolument reprendre confiance. Zeus nous a maudits, nous sommes abandonnés. Pitié pour nous. Sauve-moi, nos enfants. Nous allons mourir, Adraste. Je suis sûr que nos prières aux dieux seront entendues et exaucées. Jason va rapporter bientôt la toison d'or, et le feu des volcans sera apaisé définitivement. Zeus nous a maudits. Vive notre mort. Tout est fini pour nous. Les prières ne servent plus à rien. Moi, Adraste, je te supplie humblement. Ô puissant Zeus, roi de l'Olympe, toi qui donnes la vie et la mort, je te supplie d'adoucir nos malheurs. Inutile de nous faire des illusions. Jason ne reviendra plus avec la toison d'or. Le sort de notre terre natale, la Thessalie, est malheureusement réglé. Tout espoir est vain. Notre ville elle-même sera bientôt détruite par le feu des volcans déchaînés. Est-ce aussi ta pensée, Antinous? En admettant qu'elle ne soit pas détruite, Iolcos, notre capitale, est destinée à périr. Notre malheureuse cité a souffert trop longtemps de la faim. Tous les prés et les champs brûlent comme des tisons. Les unes après les autres, les sources sont asséchées. Alors tous les survivants viennent se réfugier ici, le seul point de notre sol épargné par la colère des dieux. Alors que proposes-tu de concret pour essayer de sauver Iolcos? On ne la sauvera pas. Il faut abandonner la Thessalie pendant qu'il n'est pas trop tard et recréer la patrie sur une autre terre. Ça, jamais. Ou tous ceux qui sont réfugiés à Iolcos seront sauvés, ou nous mourrons. Ce qui veut dire que tu nous condamnes sans appel. En parlant ainsi, tu ne te montres pas digne de notre roi, ni de ceux qui à ses côtés risquent leur vie pour nous tous. Il s'est écoulé de nombreuses lunes depuis que Jason est parti, mais qui vous dit qu'il n'a pas encore atteint la Colchide, ou qu'il n'est pas déjà sur la voie du retour, rapportant avec ses vaillants compagnons la toison d'or? Je dois avouer que j'ai éprouvé comme vous ces doutes angoissants, ces craintes mortelles. Mais je sens qu'il faut encore espérer. Du jour où le roi Jason, mon cousin, s'est embarqué à bord de l'Argos, je jure que jamais ma confiance en lui n'a vacillé. Et jamais elle ne vacillera parce que je veux être digne de son amitié. Et plus encore parce que je lui suis reconnaissant d'avoir eu la volonté de tenter, pour nous sauver, nous et nos enfants, cette entreprise que jamais personne n'a osé tenter. Je suis certain qu'Adraste a raison, il ne reviendra pas. La confiance d'Adraste me fait peur, je ne te le cacherai pas. Que tu as moi, j'ai confiance. Oui, tu as peut-être raison. Courage, ne désespère pas, Créouse. Ce que peuvent dire ou faire les membres du Conseil est sans importance. Ce sont des sceptiques, portés continuellement à envisager le pire en tout. Et ils n'ont pas comme nous la force de la foi. Ils sont vils et lâches. Ils tenaient des propos différents le jour du départ de Jason. Alors ils juraient de ne jamais douter de la réussite du voyage. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Dis-moi ce qui t'inquiète. Est-ce que tu commencerais toi aussi à désespérer? Indra, je t'en prie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Non, Créouse. Je garde l'espoir. J'attends avec confiance la clameur du peuple qui saluera le retour de notre roi. Courage, chère cousine. Je
crois que tout finira bien. L'essentiel, pour le moment, c'est que le Conseil et le peuple continuent à avoir une absolue confiance en moi. Et en vous. Ne nous leurrons pas. Tous les survivants sont persuadés au fond d'eux-mêmes que Jason réussira dans sa mission. Vous comprenez donc que dans ces conditions, la moindre maladresse risquerait d'anéantir tous nos projets. Et je crois que nos existences pourraient se trouver abrégées. Ce n'est que le jour où tout espoir les aura abandonnés. Le jour où ils comprendront que tout est fini. Le jour où même la reine l'admettra. Et quand ils verront que les prés continuent à brûler, il sera facile alors de faire valoir à la reine la nécessité de s'exiler avec le jeune Ito. Avec les trésors de la couronne de Thessalie et la présence de Créouse, il n'y aura aucune terre que nous ne serons pas capables de conquérir. Adraste, es-tu certain que Créouse te suivra? Elle me suivra. Je saurai bien l'y obliger. Parmi tous les joyaux du trésor de Thessalie, Créouse est celui que je désire le plus. Sa beauté consume mon cœur comme du feu. Oui, ton plan est habile, Adraste. Mais si ton cousin Jason revenait avec la toison d'or? Non, il ne reviendra pas. Larguez les voiles!
trouver les paniers vivres. Solide que jamais. Il n'y a plus qu'à essayer de monter une voile de fortune. Ce ne sera pas trop difficile, je pense. Quant à la coque, les avaries ont été réparées et tout a l'air de tenir. Ne te laisse pas tromper par les apparences, Jason. La tempête a beaucoup éprouvé le navire, quoi que tu en penses. Et nos réparations hâtives ne sont qu'un pis-aller. La structure elle-même a souffert plus que tu ne crois et il faut que j'essaie de renforcer un peu partout. Il manque bien des poulies pour manœuvrer les voiles. Je vais faire consolider la réparation à la proue. Mais ne te fais pas d'illusions, la situation n'est pas des plus brillantes. Il faut faire l'impossible, tu le sais, Argus. Le destin de la Thessalie tout entière, le sort de son peuple, sa vie même, sont entre tes mains. Oui, mais en admettant que le navire tienne, nous n'avons plus rien à manger maintenant. Alors la faim et la soif petit à petit anéantiront nos dernières forces. Notre seule espérance, c'est que des courants favorables nous conduisent enfin vers une terre, mais avant qu'il ne soit trop tard. Je sais bien que cet espoir peut paraître insensé. Mais je suis sûr que le sort nous aidera. Mes amis! Bien des lunes ont passé depuis que nous avons quitté Iolcos. Nous avons dû lutter contre des périls sans nombre. Nous nous sommes trouvés dans des situations désespérées. Mais le sort contraire n'a pas pu nous arrêter dans notre entreprise. Cette fois encore, nous réussirons. Mais pour cela, nous ne devons pas reculer devant l'importance de la tâche, ni avoir peur. Si je dois aller en Colchide, c'est parce qu'il est dit que les volcans ne cesseront de dévaster nos terres que le jour où j'aurai rapporté en Thessalie la toison d'or. Et je vous assure bien que je réussirai, dussé-je pousser ce bateau avec mes propres mains. En attendant, nous allons essayer de vivre, de gagner du temps, dans l'espoir que les courants nous conduisent vers une terre. À partir d'aujourd'hui, nous vivrons du produit de notre pêche. Quant à l'eau, nous préparerons des toiles pour recueillir l'eau de pluie et la rosée nocturne. En avant, au travail! Nous n'avons plus de force, nous n'avons plus à manger. Vous avez entendu, au travail! Inutile, voilà des jours qu'on essaie, sans résultat. Courage, mes amis, recommençons. Le dieu de la mer veut notre mort à tout prix. Et bien, en finir tout de suite que de supporter ces souffrances. Ah. Il ne pleuvra jamais. Qu'est-ce qu'on va devenir sans une goutte d'eau à boire? J'ai l'impression que mes jambes sont comme des morceaux de bois. Aidez-nous, dieu de l'Olympe, aidez-nous. Et à Iolcos, que se passe-t-il? Écoute-moi, Orphée. Derrière la brume, il y a la terre. Ah oui, je le crois aussi. Une terre qui nous paiera peut-être de toutes les souffrances que nous avons endurées. Eh bien, assez! Assez! On n'en peut plus! Il faut retourner à Iolcos tout de suite! Je t'ordonne de te taire, tu m'entends? Celui qui commande ici, c'est Jason, notre chef. Comment vas-tu, Pélé? Les entrailles me brûlent. La soif me dévore. Et toi, tes lamants? Oh, Jason, je suis à bout. Je n'ai plus la force de lever un bras, tu vois. Ah, quel malheur de crever comme ça, terrassé par la faim, au lieu de mourir en combattant, comme il convient à un roi. Voilà des nuages qui approchent. Il va bientôt pleuvoir. Des paroles! Tout ça, ce sont des paroles! On vous a suivi, on vous a obéi sans rien dire, mais maintenant, c'est terminé! Jusqu'ici, vous nous avez conduits où vous avez voulu, mais aujourd'hui, on en a assez! Emmenez-nous! Je sais pas comment, ça c'est votre affaire, mais pressez-vous, sinon je vous tue! Assez! Écoutez-moi, vous tous! Je suis sûr que nous allons bientôt toucher terre! Jason, c'est inutile! Tu ne nous feras pas changer d'avis, tu sais toi-même que tout est perdu. Oublies-tu que tu parles à ton roi? Je le sais, je me révolte contre ton autorité. Nous voulons retourner à Iolcos, puisque de toute façon, il faut mourir. Nous préférons mourir à côté de nos femmes et de nos enfants. Serais-tu devenu fou? Jason, donne l'ordre à Argos de mettre le cap vers l'Occident. Jamais. Réfléchis. Réfléchis et ne m'oblige pas à me battre contre toi. N'ajoute pas un mot, Claude. Écoute, Jason, tu vas prendre ton épée et te défendre.
Jamais je ne me battrai contre l'un d'entre vous. Avance. Frappe, je ne me défendrai pas. Je ne peux pas te tuer, Jason. Je ne peux pas te tuer! Et maintenant, je ne pourrai même plus te regarder en face. Plus jamais. Mais tout le monde peut un jour perdre la tête, oublions cela. Il pleut! Il pleut! Il pleut! La pluie, enfin! Ces débris rejetés par la mer sur le rivage ne laissent aucun doute. Ils proviennent du grand navire construit par Argos. Et ainsi, encore une fois, le puissant dieu de la mer n'a pas pardonné à celui qui a osé violer les limites mystérieuses de son domaine. Le peuple ne croit pas à l'échec de l'expédition entreprise par Jason. Il est allé consulter le père d'Argos et il l'a délégué devant l'autorité suprême comme son représentant. Où est le vieillard? Il va venir dans un instant. Quiconque nous apportera des paroles de confiance sera le bienvenu. Je sais que tu es venu ici avant, au nom du peuple de Iolcos. Je suis prêt à t'écouter. Parle. Mes yeux éteints depuis longtemps ne peuvent pas voir les débris dont vous parlez. Pas plus qu'ils n'ont pu voir le grand navire que mon fils a construit pour aller rechercher la toison d'or avec Jason. Mais je vous assure qu'ils ne peuvent pas constituer une preuve décisive de la mort de Jason et de ses compagnons. Presque chaque jour, depuis que le monde est monde, la mer charrie ainsi des débris vers les côtes de la Thessalie. Sans doute, mais seul le navire construit par ton fils a des travées aussi épaisses. Je suis vraiment surpris, mais surtout déçu. De la légèreté et de la résignation avec lesquelles vous parlez de la mort du roi Jason, mon cousin. Je ne peux pas comprendre votre attitude. Le père d'Argos a parfaitement raison. Ces quelques débris ne prouvent rien. Ce serait péché contre nous. Ce serait péché contre la Thessalie. Contre le divin Zeus aussi, qui a incité notre roi à cette expédition, que de vouloir abandonner si vite l'espoir en la réussite de la conquête de la Toison d'Or. La séance est levée. Sincèrement, que les débris ne proviennent pas de leur navire? Créose, les mots que j'ai prononcés devant le conseil reflètent fidèlement le fond de ma pensée. Je partage en tout point l'avis du père d'Argos. Mais quoi qu'il advienne, je serai veillé sur toi. Merci, Adraste. Le père d'Argos parle vraiment trop. À la prochaine occasion. Ça existe, la colchide? Qu'est-ce que tu en penses? Je commence à en douter. Moi, je dis qu'elle existe. Et quoi qu'il arrive, j'irai jusque-là. Bravo, mais je ne te croyais pas si courageux. Prends modèle sur moi. Seulement, je crois que je le saurais moins. Ça me fallait naviguer toute la vie. Oh, tant qu'on mange, hein. Argos! Jason! Qu'est-ce qu'il y a? La barre ne veut plus remuer. Poussons ensemble. Allez, poussez! Vous
sommes entraînés par un courant très violent. La terre ! La terre ! Regardez ! Nous allons droit sur les à arcs. Gauche ! La barre ! Le navire va être en mer ! Attention, c'est la fin ! Laissez-moi regarder. La barre ! Arrière, il faut reculer ! Vite, attention à la barre ! Regardez, à droite ! Ali, ramez contre le courant ! Oui. Très vite ! Non, ne vous inquiétez pas maintenant, nous allons vers une plage. Tout danger est écarté. Regardez ! Des femmes ! Des femmes qui viennent vers nous ! Oh, qu'elles sont belles ! Regardez ! Belles ! Oh, on dit qu'elles sont belles ! C'est l'Olympe ! Regardez ! Le royaume des dieux ! Oh non, enfin c'est la terre ! Oui, la terre ! Allons, j'en pas encore, monsieur ! Regardez ! Regardez ! Je crois que les étoiles sont les choses les plus belles que les dieux aient pu créer dans la nature. Elles portent en elles le secret de notre vie. Peut-être. Est-ce que tu n'es pas de mon avis ? Moi, peut-être. Mais je ne crois pas que ça intéresse beaucoup nos compagnons. Nous sommes restés seuls ici. Et eux, ils s'intéressent à bien autre chose. Mais je ne vois pas d'hommes. Il n'y en a plus. Il y a quelques années de cela, ils sont partis pour aller conquérir une île, très loin. Et ils ne sont jamais revenus. Ensuite, nos fils sont morts en peu de mois, consumés par un mal mystérieux, comme poursuivis par une inexplicable malédiction. C'est ainsi que nous sommes restés ici, toutes seules. Et vous êtes les premiers hommes que nous ayons rencontrés depuis ce temps-là. Notre arrivée a dû réveiller en vous de tristes souvenirs. Mais non. Non, vous nous avez sortis du silence, de la solitude. Vous nous avez apporté un souffle de vie, enfin. Depuis des années, on ne riait plus, on ne chantait plus sur cette île. La joie, l'amour, semblaient perdus pour toujours. Les hommes doivent me chercher. Il faut que j'aille les retrouver. Non, les hommes ont certainement mieux à faire pour l'instant. Reste avec moi. Reste. Le navire avait été heurté, le grand mât arraché, l'eau inondait les cales. Mais moi, de mes propres mains, j'ai réussi à sauver tous mes compagnons. Et maintenant, je suis là. Comment t'appelles-tu ? D'où viens-tu ? Je m'appelle Laert. Et je viens d'Ithaque. C'est une île lointaine. Célèbre par la beauté de ses femmes. Mais tu es encore plus belle. Tu sais bien mentir. Moi, je mens. Oui, mais ça me fait plaisir. Sais-tu que tu es jolie et que je suis heureux près de toi? Je me demande pourquoi ces moutons nous suivent. Qu'est-ce que tu dirais si j'en tuais un et que je l'emporte à bord? Ne dis pas de sottises. À dire qu'il faut toujours travailler comme des bêtes de somme pendant que les autres font les jolis cœurs. Je te vois faisant joli cœur. Ramasse plutôt du bois. Oh, ben alors, j'en ai ramassé toute la journée. Alors, dépêche-toi. Les côtes. Argos. Argos. Au secours. C'est nous. Nous sommes vos compagnons. Au secours. L'icône. Et ce sont les moutons qui parlent. Ne nous abandonnez pas. Ayez pitié de nous. Ne nous laissez pas. Dieu, c'est la voix de Laert. Oui, c'est bien la voix de Laert. Ne nous abandonnez pas. Et où est Laert ? C'est de la magie, je n'y comprends plus rien. Oui, c'est Laert qui te parle, Argos. Et tu vois avec moi, il y a Alcée, Tidée, Claude et tous les autres. Cette île est ensorcelée. Ensorcelée ? Oui, toutes ces femmes sont des magiciennes. Ce sont elles qui nous ont transformés en moutons, comme elles ont transformé, selon leur humeur, en rochers ou en arbres, tous ceux qui se sont laissés prendre à leur charme.
Seul Jason pourra nous sauver. Avertissez-le, mais faites vite. Dépêchez-vous, dépêchez-vous par pitié. Tu connais le motif maintenant. C'est pour cela que nous avons traversé les mers. Si je n'arrive pas à calmer le courroux de Zeus, tout mon peuple mourra. Ainsi que ma femme. Et mon fils. Je comprends ta douleur. Nous avons nous aussi pu mesurer la cruauté du destin. Il nous a donné la jeunesse, la beauté. Mais à quoi cela nous sert-il si nous n'avons personne à qui les offrir? Nous sommes comme des arbres qui auraient des fruits merveilleux, mais que personne ne pourrait cueillir. Encore quelques instants agréables près de toi, et puis tu vas repartir avec tes compagnons. Et de nouveau, ce sera le silence. Les nuits sont terribles, sans amour. Je t'en prie, ne désespère pas ainsi. Vos maris vont rentrer. Il faut avoir confiance. Non, non. Cette malédiction est éternelle. Pitié, je t'en prie, redonne-moi beauté et jeunesse, pour un instant seulement. Oh, écoute ma prière, exauce-moi une fois encore. Quel sortilège affreux, quel maléfice règne sur cette île! Ce sortilège est l'œuvre d'une créature malfaisante et ignoble, et qui s'appelle Gaïa. Mais c'est le nom de la reine? Oui, c'est malheureusement elle.
Elle, la terrible fille du soleil, ma sœur aînée. Un monstre épouvantable, un monstre dont la cruauté est sans égale. Explique-toi, je t'en conjure, je ne te comprends pas. Aujourd'hui, Gaïa est la plus belle créature qui existe, mais elle est née pourtant difforme et horrible. Tous les hommes la fuyaient et ne désiraient que moi. Plus tard, folle de jalousie, Gaïa me fit enchaîner sur ce rocher. C'est alors qu'elle obtint de son père Apollon que sa repoussante laideur, ainsi que celle des sorcières, ses compagnes, se transforme en une resplendissante beauté. Une beauté telle qu'aucun homme ne puisse plus la repousser. Mais cela ne lui suffisait pas. Elle voulait se venger des affronts reçus. Quiconque tomberait désormais dans ses bras, ou bien dans ceux de ses compagnes, serait immédiatement changé en rocher, en arbre ou en animal. Apollon l'exauça, mais à une seule condition. Elle ne serait belle et désirable que pendant le jour. Mais surtout, la condition la plus importante doit être remplie quand débarquera sur cette terre Jason de Thessalie. Si Gaïa parvient à le séduire, sa beauté et sa jeunesse seront éternelles. Autrement, elle devra reprendre définitivement sa forme première. Mais pourquoi t'a-t-elle laissé la vie? Elle savait très bien que dans ce cas-là, Apollon aurait puni sa cruauté. Apollon ne permet pas le meurtre. Elle aurait définitivement repris son hideux visage. Fuis! Va-t'en avant que le charme de Gaïa ne te perde. Personne n'a jamais... Tu es une sorcière, Gaïa. Une horrible sorcière. Va-t'en! Va-t'en! Ta beauté va disparaître à jamais! Non! 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 Tu crois que tu as remporté la victoire? Je peux te dire que non. Tu es encore sous mon pouvoir, Jason. Le sang va se répandre sur les chemins de ton royaume. Un autre Iolcos s'assiera à ta place sur ton trône. Un autre tiendra ta femme entre ses bras. Ton fils sera tué, Jason. Soyez maudit, toi! Et tout le peuple de Thessalie, soyez maudits! Nous devrions nous révolter! Oui, tu as raison, ça ne peut plus durer! Le moment d'agir est venu! J'apprends qu'on a tué le père d'Argos! Ce sont des assassins à la solde de l'arbre! Bien sûr, ils s'emparent du trône! Il faut le chasser! Il faut sauver la reine! Et le fils de Jason! Oui, oui. Alors, quel motif t'amène ici, ô Créose? Misérable! Ce n'était pas assez d'avoir usurpé un trône par la ruse! Il faut encore que tu sois devenu meurtrier! Si je me suis proclamé aujourd'hui roi de Thessalie, c'est dans le seul but de sauver la couronne, pour toi et pour ton fils. Et non pour satisfaire mon ambition. De ce fait, même quand la Thessalie sera transformée en un désert de cendres, toi et Ito, ton fils, vous aurez toujours un royaume. Ce royaume que je vais conquérir pour moi et pour vous sera loin d'ici, sur une terre hospitalière. Je l'obtiendrai bientôt, par la force et par l'intelligence, avec l'or qui est dans les coffres du palais. Mais pour que ce rêve se réalise, pour que quand je serai mort, personne ne puisse revendiquer quoi que ce soit, il est nécessaire, pour ton bien, que tu respectes mes décisions. Et sans jamais discuter avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment opportun, je te dirai clairement ce que j'attends de toi, et j'espère que tu seras sage et aussi compréhensive. J'ai horreur d'avoir recours à la manière forte. Je commence à ne plus pouvoir sentir le poisson. Tu devrais plutôt remercier Poséidon. C'est grâce à lui que nous pouvons encore tenir. Ce bateau était rempli de vivres.
quand nous sommes partis de cette île maudite. Et nous voilà au poisson encore une fois. Je ne sais pas ce que je donnerais pour revoir mon fils un instant. Depuis le temps, il doit tirer à l'arc mieux que moi. Tais-toi, Laerte. Laisse dormir tes souvenirs. Tu reverras ton Eurydice, mais à une condition. M'avait dit la déesse de la mort. Lorsque tu sortiras des enfers, ne te retourne pas pour la regarder. J'ai promis. Mais à peine avais-je traversé l'Achéron, à peine avais-je revu le jour, que tout est perdu de mon amour. Je me suis retourné. J'entendis une espèce de grondement sourd. Et ma belle Eurydice disparut de nouveau dans l'obscurité, dans le royaume des morts. Qu'est-ce que c'est l'amour, Orphée ? C'est la joie, le chagrin, la vie aussi, et la mort. Est-il possible que tu sois encore à scruter le fond de la mer ? Enfin, qu'est-ce que tu espères y trouver ? Non, Pélé, je ne scrute pas le fond de la mer. Mais après tout ce qui s'est passé, je trouve que pouvoir naviguer est un miracle. Oui. Pélé ! Oui ? Regarde, là-bas, sur ta gauche. La terre ? La terre. Oui. Une cité. Je vais avec 10 hommes chercher des vivres, et les autres restent pour garder la barque. Oui. Très bien. Quel splendide palais. On pourrait se croire encore sur la plage de Yolgros. Enfin, que se passe-t-il dans cette cité ? J'ai bien peur que ce ne soit encore un piège. Ils ont dû nous voir arriver de loin. Jason, regarde. La cité est presque déserte. Charité, pitié, laissez-moi passer. Il faut que je m'embarque avant qu'il fasse nuit. Mais pourquoi ? Et où sont les autres habitants ? Ils sont partis se mettre à l'abri. Aujourd'hui, c'est un jour de deuil pour notre cité. La mort approche et rôde autour de nous, partout. Et si vous voulez un conseil, reprenez tout de suite le chemin qui vous a amené ici et fuyez. Fuyez, partez avant qu'il ne soit trop tard. Je te salue, ô roi. Mais qui es-tu, étranger ? Je suis Jason, roi de Thessalie. J'ai débarqué depuis peu sur tes terres pour te demander l'hospitalité, des vivres et de l'aide. Mais je vois que toi et la plupart de tes sujets quittaient la cité et semblaient écrasés sous le poids d'un grand malheur. Je serais très heureux de pouvoir t'aider. Parle, je suis avec toi. Alors je dois t'apprendre, généreux étranger, que chaque année, au solstice d'été, un monstre horrible qui vit dans les entrailles du mont Akra, sort de sa caverne pour semer la ruine et le deuil parmi tous les habitants de mon royaume. Et moi, le roi, eh bien, je suis obligé, avec ma fille et mes conseillers, de fuir mon île et de chercher un refuge. Mais pourquoi ne l'affrontez-vous pas et ne le tuez-vous pas ? Bien des jeunes athlètes de cette île ont eu le courage de l'affronter. Mon fils a été tué. Un par un, le monstre les extermine. Aucune force humaine n'aura raison de lui. Et chaque année, il est pour nous la source de nouveaux deuils, de nouvelles larmes. Mes compagnons et moi affronterons le monstre et vous débarrasserons de lui. Je t'en prie, Jason, c'est inutile. Tu ne pourras rien contre lui, il va vous tuer tous. Sois tranquille, noble roi. Nous n'avons pas peur et nos bras sont solides, nous tuerons le monstre. Merci, Jason. Je voudrais me battre à tes côtés, mais je suis trop âgé, la force me trahirait, hélas. Que les dieux te protègent. Thank you.
chaque côté. Qui jusqu'alors t'était absolument inconnu, peut ainsi s'emparer d'un cœur, au point que de ce moment-là, il en chasse toute autre image. Pourquoi une seule voix, la tienne, chère Eurysthée, me fait-elle frémir ainsi? Pourquoi tes paroles me caressent-elles comme une musique? C'est Aphrodite, la déesse de l'amour, qui accomplit de tels miracles. Je t'aime, Aglaé. Moi aussi. Désespérément. Et maintenant, je sais que je t'aimais déjà, bien avant que le destin ne t'ait amené vers moi. Ne t'en va plus, Eurysthée. Ne me demande pas cela, je t'en supplie. Ne m'enlève pas tout courage. Ne m'abandonne pas, Eurysthée. Ne me laisse pas toute seule. Notre petite île va redevenir une terre où le bonheur régnera. Nous n'avons plus à craindre le monstre maintenant. Jamais nous ne serons assez reconnaissants envers ton roi. Nous aurons le bonheur ici. Je t'en supplie, ne pars pas, Eurysthée, reste ici. Si tu t'en vas demain avec tes compagnons, pour moi, ce sera bien pire que la mort. Je ne peux pas séparer ainsi mon destin de celui de mes compagnons. Et puis aussi, tu sais pourquoi j'ai traversé la mer. Mais je reviendrai, crois-moi. Si les dieux me protègent, je reviendrai. Et pour toujours, cette fois. Je ne peux pas te croire. Non, tu ne pourras pas revenir. La terre où tu vis est trop loin. Je reviendrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Mais ça ne fait rien. Je veux quand même y croire. L'espérer. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Jusqu'à mon dernier souffle. Eh bien, Jason, à quoi penses-tu? À quoi veux-tu que je pense? À Créouse. À mon fils. Et à mon peuple. Le chagrin, les souvenirs.
la mélancolie, chasse-les de ta pensée. Ce sont des fardeaux trop écrasants. Bien dit, bien dit. Mais on ne peut pas cacher ses sentiments. Il faut y arriver. Léocrite ! À tes ordres, Laërte. Va dans la cale et rapporte-nous du vin. Tout de suite. Pas celui qui est dans les grosses outres, celui qui est caché dans le gaillard de poupe. Bravo, Laërte. Tu t'es fait une provision personnelle ? Personnelle, non. C'est pour les instants où il vous vient des pensées tristes et on ne sait pourquoi. Comme toi en ce moment. Crois-tu vraiment qu'il suffise de boire une coupe de vin pour parvenir à retrouver sa bonne humeur ? Sans doute une belle femme, ce serait mieux, oui. Mais étant donné qu'il n'y en a pas ici, alors. Parle, réponds. Je comprends. Viens. N'aie pas peur. Tu es belle, Aglaé. Laisse-moi. Viens, viens. Ne te sauve pas. Je veux pas te faire de mal. Et si Jason apprenait que tu es là? Tiens, il ne dit à personne que je suis ici. Il est joli. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton bracelet? J'ai peur de toi. Pourquoi? Tu vois bien que ce n'est pas avec méchanceté que je te regarde. Oh, que tu es belle. Léocrite, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Canaille. Yes. Toute seule, sans qu'on me voie. Eurysthée ne s'en est aperçu que quand le navire était déjà loin de l'île. Mon roi valeureux, ce que dit Aglaé ne correspond pas à la vérité. C'est moi qui l'ai supplié de me suivre. Je l'y ai obligé. Si l'un de nous doit payer, il est juste que ce soit moi. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Eurysthée, ne ment pas, dis la vérité. Eurysthée, je t'en prie, écoute-moi, ils te tueront. Ne crains rien. Non, ne mens pas, je t'en prie, Eurysthée. Dis la vérité, je t'en conjure, dis la vérité. Je crois en tes paroles, Aglaé. Mais dès qu'il s'est aperçu que tu étais à bord, Eurysthée devait m'en avertir. En taisant ta présence, il s'est rendu lui aussi coupable de désobéissance envers la loi du bord. Une faute pour laquelle nous avons prévu la peine de mort. Ainsi que pour l'infamie commise par Léocrite. Je voudrais connaître ton opinion. Qu'Aglaé soit abandonné en mer sur un radeau. Et que la mort soit la punition d'Eurysthée et de Léocrite. Ce n'est pas sa faute, noble roi. Je n'ai pas voulu le laisser partir. Eurysthée n'a rien fait, punis-moi, mais épargne-le. Eurysthée, parle. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Rien, ô roi. Rien, valeureux prince de la Grèce. Je voudrais connaître votre opinion à tous. La mort, pour elle aussi. Je suis de cet avis. Moi aussi. Moi aussi. La mort. La mort aussi. La mort. 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 La punition sera donc la mort. Admet et Dioniso exécuteront la sentence. Un moment, Jason. Parle, Orphée. Eurysthée et Aglaé ont désobéi, c'est vrai. Mais essayons de comprendre pourquoi. Parce qu'ils ont connu l'amour pour la première fois et qu'ils n'ont pas su résister à la puissance de ce sentiment qui gouverne toute notre existence. Si l'on doit chercher qui est le coupable ici, c'est l'amour.
Mais qui d'entre vous oserait condamner l'amour? Cela signifierait vouloir condamner la vie même. Eurysthée, Aglaé, quel que soit le jugement auquel se rangeront ces hommes, continuez à croire en l'amour. C'est vous qui serez dans le vrai et eux dans l'erreur. Vous dans la lumière et eux dans les ténèbres. Ô noble roi, moi Orphée, moi prince de Sparte, j'implore pour eux ta pitié. Je suis d'accord avec vous, mais il faut que la jeune fille soit abandonnée en mer. Parce qu'avec une femme à notre bord, ce serait l'enfer à brève échéance. Argos, on n'a pas encore entendu ta voix. Si nous suivons l'avis que donne Tidée, nous épargnerons Aglaé, c'est vrai, mais pour lui préparer une fin encore plus cruelle. En l'abandonnant sur un radeau en mer. Oui, c'est juste. Argos a raison. Oui, il a raison. Non, non, à mort. À mort. À mort. Abandonnons-la en mer. Argos, à l'aurore, tu prépareras un radeau. Tu mettras dessus un peu d'eau et des vivres pour deux personnes pendant deux lunes. Quant à Léocrite, 50 coups de fouet. Abandonnez mes amis, mais les affaires de l'État me réclament. C'est l'esclavage des rois. Nous savons très bien où tu vas. Les affaires qui te réclament s'appellent Créouse. Ito, mon chéri. Ito. Où es-tu? Polybe. Polybe. Thank you.
Pourquoi as-tu cet air bouleversé, Créouse? J'ai l'impression que ce n'est pas avec chaleur que tu t'approches de moi. Qu'as-tu fait de mon enfant? Réponds. Tu l'as enlevé, rends-le-moi, Adrast. Je regrette, mais c'est absolument impossible. Tu es l'être le plus ignoble qui existe. Rends-moi mon enfant. Quand ton visage rougit de colère, tu es plus belle encore. Je t'ai vu grandir sous mes yeux. Au fur et à mesure que tu t'épanouissais, tu devenais une femme merveilleuse. Et mon désir pour toi devenait plus fort. Tu me blessais dans ma chair, mon amour pour toi me torturait. Puis vint Jason qui t'emporta au loin. Mais tu ne pourras plus m'échapper. Oui, je voulais ton amour et j'ai été patient. Si je voulais, je t'aurais par la force. Ah, non, non, laisse-moi. Non, 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 non. Ah, je pourrais faire de toi ce que je veux. Mais je préfère attendre. Non. Oui, je saurais attendre. Et je veux que tu deviennes ma femme quand tu le voudras et que tu l'acceptes de ton plein gré. Mais si tu persistes à me repousser, Ito, ton fils, sera sacrifié sur l'autel sacré. Jamais, tu entends? Jamais, jamais! Je préfère mourir. Je te conseille de réfléchir. Tu es en mon pouvoir. J'ai bien cru que c'était fini cette fois. Moi, au contraire, j'avais confiance en ton navire. Heureusement que la voile aussi a résisté. Regardez! Là-bas, à l'horizon, regardez! C'est une montagne qui brille comme de l'or. C'est une clarté qui aveugle. On dirait le soleil. C'est un prodige! C'est un miracle! Seule la Toison d'Or peut avoir une telle splendeur. Oui, c'est la Toison d'Or. C'est la Colchine. C'est la Colchine. C'est la Colchine. C'est la Colchine. Amis, notre confiance et notre courage sont récompensés. La terre qui s'étend devant vous est vraiment la Colchide. Et cette lumière qui nous blesse les yeux est bien la Toison d'Or. Comme un jour il m'a été dicté par l'oracle, j'irai et je débarquerai seul. Orphée, prince de Sparte, me remplacera à bord. C'est à lui que vous devrez obéissance. Orphée, si dans deux jours je ne suis pas revenu, tu feras alors voile vers la Thessalie. Jason, nous avons partagé avec toi tous les périls. Nous voulons aussi partager le dernier. Tu ne sais pas quel danger te guette sur cette terre inconnue qu'est la Colchide. Tu peux te trouver encore devant des monstres, devant des habitants hostiles. Que pourras-tu faire seul? Nous voulons venir avec toi. Excuse-moi, roi, mais Alcée a raison.
S'il y a encore des dangers, nous les affronterons ensemble. Il est injuste que tu sois le seul à risquer ta vie. Nous voulons t'accompagner. Nous sommes tous unis dans cette aventure. Je vous remercie, ami. Mais cette fois, je ne dois pas écouter votre prière. L'oracle a été clair. C'est moi seul, Jason, roi de Thessalie, avec mes propres mains, sans l'aide de personne, qui doit reprendre et rapporter la toison d'or. Gauche, conduis-moi vers la côte. Thank you.
feu des volcans s'est éteint. Regardez là-bas. Le feu s'est éteint. Dieu de l'Olympe, nous vous rendons grâce. Jason a réussi. Il a vaincu. La toison d'or est entre ses mains. Nous sommes sauvés. À mort, Adras. Adras, ils sont tous avec lui. Ces imbéciles ignorent que leur cher Jason ne remettra plus jamais les pieds à Iolcos. Si les dieux ont été incapables de détruire son navire maudit, eh bien moi, Adras, je l'exterminerai. Mais que crois-tu que nous puissions faire? Toute la cité sera encore une fois contre nous. Eh bien, prenez des otages, emprisonnez-les, et au premier signe de révolte, brûlez-les sur les rochers. Non, les soldats ne nous suivront pas, ils se révolteront. Alors payez-les, les soldats. Avec de l'or, on peut tout avoir et aussi tout obtenir. Et la reine? Et la reine, j'y ai pensé aussi. Et maintenant, souvenez-vous bien, au premier écart, je vous abats tous comme des chiens. Je suis fatigué de vous voir. Disparaissez! Ah, c'est toi. Que veux-tu de moi? Noble Adrast, on dit que Jason aurait déjà débarqué. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai appris tout à l'heure qu'un des hommes qui était avec lui, Eurysthée, le fils de Thalette, a été vu en ville ce matin. Je le veux immédiatement mort ou vivant. J'ai bien tenté de le retrouver, il a complètement disparu. Disparu? Et tu oses me le dire ainsi? Je ne vous demande qu'une chose. S'il devait m'arriver malheur, prenez bien soin d'Aglaé. Elle n'a personne ici. Et confiance en nous. Tu penses réussir à aller jusque là-bas à la nage? Je le ferai. N'aie pas peur, Aglaé. Nous avons passé le plus dur maintenant. Tu verras, cette fois encore, ça ira. J'ai peur, tellement peur. Comment est-il possible qu'il n'y ait pas d'autre moyen pour prévenir Jason que d'y aller à la nage? Mon amour. J'ai peur pour toi. Fuis, les soldats arrivent. C'est vrai, tu manges encore des pommes. Hein? Ma grand-mère disait souvent que la pomme, c'est le poulet de l'affamé. C'est l'écueil des sirènes. Et il y a un feu au sommet. Ce feu m'a tout l'air d'être un signal. Dirigeons-nous vers l'écueil. L'écueil des sirènes, nous sommes chez nous. Les abords sont contrôlés, les prisons sont pleines d'otages. Créouz est sur le point d'accepter Adraste pour époux. Pour sauver son fils, Ito. Il n'y a plus qu'une solution possible, que tu parviennes à débarquer sans qu'Adraste et ses complices s'en aperçoivent. Autrement, c'est la fin pour nous tous. Et nous devons faire vite, si nous voulons sauver notre reine. Pourrions peut-être atteindre la côte en nageant sous l'eau. Moi, je sais pas nager, hein, même sur l'eau. Alors, c'est pas le moment de plaisanter, toi. Ce n'est qu'en attrapant Adraste par surprise que nous avons une chance de réussir. Simple. Demain matin, avant le lever du soleil, notre bateau rentrera dans le port, à pleine voile. Voyons, Jason, mais c'est une vraie folie. Justement, souvent, ce qui semble folie ouvre la porte aux solutions les plus inespérées. Tous les hommes aux voiles! À gauche! Cap sur Iolcos! Noble roi, pour quelle raison viens-tu aujourd'hui devant l'autel du puissant Zeus? Pour te demander de me donner pour épouse cette jeune femme nommée Créouz.
Lieutenant Bladras. Nous avons aperçu le navire de Jason. Il vient sur Iolcos. Tous les soldats, sauf ma garde personnelle, courent vers la côte. Jason et ses hommes ne débarqueront que morts. Laissez-moi! Laissez-moi! On va continuer. Sache que rien ne pourra interrompre cette cérémonie. Continue! Ce seront tes funérailles. C'est la voix de mon Eurydice qui m'a...
m'appelle. Je la vois, elle vient à ma rencontre. Oh, elle sourit. Ah, oh, c'est fini. C'est fini. La belle aventure aux limites du monde. Que vos noces, Aglaé et Eurysthée, puissent être le début d'une nouvelle ère de félicité. Pour cette terre tellement éprouvée par les malheurs, et qui est retournée enfin, grâce à la valeur de notre roi sous la protection de la toison d'or. Signe prodigieux de la toute-puissance du Dieu suprême, du grand Zeus. Eurysthée. Vive Orphée! Vive Orphée! Vive Orphée!